Bienvenue dans le quartier des Saules, où le musée de la ville a choisi cette fois-ci de vous parler de la sculpture de José Subera Puig, qui s'appelle La Grande Girouette et qui date de 1987. Nous sommes ici dans ce quartier qui a été pensé dans les années 1981 à 1982 et qui a émergé en 1983. José Subera Puig est un artiste espagnol qui est né à Barcelone en 1926. Il est arrivé en France en 1955 et il est décédé en 2015. Il appartenait à ce mouvement de la jeune sculpture. Il s'est très vite spécialisé dans le travail du bois. Très vite, il l'a utilisé dans des formats monumentaux. Et la première fois qu'il réalise une grande sculpture monumentale en plein air, c'est en 1972. La Grande Girouette, c'est comme un grand papillon de nuit qui déploie en fait ses ailes au gré du vent. Ça lui permet de faire des réalisations qui sont des figurations abstraites mais géométriques. Il a travaillé avec les architectes de façon à créer une harmonie au niveau de ce quartier. Ce papillon qui déploie ses ailes au gré du vent a une structure très élaborée. Elle est formée de deux morceaux coniques, l'un sur l'autre, avec des lamelles de bois qui sont façonnées et travaillées, et vissées ensemble et qui sont intégrées autour d'une structure métallique invisible avec un système de roulement à billes de façon à ce que la sculpture vive dans l'espace. Le bois, c'est un bois exotique qui a un petit peu pâli au fur et à mesure du temps du fait des intempéries. Ce bois, c'est un matériau vivant et qui nous rappelle par l'élan de la sculpture en fait les grands arbres de nos forêts.